Vision de cet album. Au niveau de comment l'ont capté le public, ouais, tout ça. Ouais. Ben, y a eu un très très bon accueil. Surtout que c'est un album qui est pas dans la tendance actuelle, puisque je parle de choses sensées, réfléchies. Enfin, je dis vraiment tout ce qui me passe dans le cœur et donc c'est un album où tu peux retrouver plein de couleurs musicales. Donc j'ai pris des risques en mettant des guitares électriques, en mettant même un orchestre de Bruno Coulet dans cet album. Donc tiens un peu de tout. Donc c'est pas trop dans la tendance, mais les gens ils ont capté la vibe et donc moi en plus il marche bien, donc ça va, y a pas de problème. Comment es-tu arrivé dans le rap? Comment ça se fait qu'aujourd'hui tu sors cet album? Comment ça se fait que... Ouais. Explique-nous un peu. Ben en fait, moi j'ai commencé à écouter j'ai commencé à découvrir le rap à 8-9 ans quand j'ai écouté les premières cassettes de IAM et d'NTM à l'époque. Après, je commençais à gratter mes textes. Et comme à l'époque, on n'avait pas les moyens d'aller en studio, donc le meilleur moyen de tester nos textes, c'était sur scène. Donc j'ai fait à 11 ans ma première scène à la Castellane. C'est un quartier de Marseille qui est juste à côté de mon quartier, la Savine. Donc après, de fil en aiguille, je continuais à faire des textes, à faire de la scène, poser sur des mixtapes. J'avais sorti aussi un EP 6 titres avec 45 Nigaz à l'époque, en 98-99. Et ensuite, après j'ai posé, comme j'étais beaucoup avec les psychiatres aussi à l'époque, j'ai posé sur leur premier album et c'est là que j'ai rencontré Akhenaton dans les studios Akoska. Il a bien aimé ce que je faisais, je lui faisais écouter les maquettes et après il m'a proposé de signer chez 361 Records. Ok. Et puis du point de vue suisse, t'as déjà entendu parler de la Suisse? C'est la première fois que tu viens en Suisse? Non, ça fait longtemps que je viens en Suisse. Ouais. Moi la Suisse c'est un pays que j'aime bien, c'est un public très très hip-hop. Et l'émission elle passe en France ou pas celle-là? Non, passe pas en France. Bon, ben ça va, ben. Juste pour te dire que même des fois je préfère le public suisse que le public français parce que j'ai l'impression que le public suisse il n'a pas besoin de format pour écouter du rap, il n'a pas besoin de format pour acheter des albums et c'est un public très puriste et connaisseur. Donc c'est toujours un régal de jouer en Suisse. Là dernièrement j'avais fait la première partie à l'Arena avec IAM, la première partie d'IAM. Donc je suis déjà venu aussi plusieurs fois ici, donc c'est le feu la Suisse. Donc c'est toujours un régal de revenir ici. Et puis quels sont tes projets? Là, je défends cet album tout en écrivant le deuxième et surtout tout en préparant la scène, puisque moi, comme je suis né sur scène, je vais défendre aussi mon album sur scène. Donc, il y aura une tournée qui va se préparer dans toute la France, en Suisse et en Belgique aussi. Donc, c'est toujours un régal de revenir en Suisse. Donc, on reviendra, il n'y a pas de problème. Et sinon, je suis en train d'écrire un deuxième album. Mais je me projette beaucoup dans l'avenir. Donc, il n'y a pas de problème. Toujours productif et l'écriture quotidienne. Juste de rappeler ton âge. Ben là j'ai 23 ans. 23 ans. Mon premier album il est sorti à 23 ans. Donc j'ai mis du temps à sortir par rapport au fait que j'ai commencé tôt. Mais j'ai été patient et bon, de toute façon dans mon album il y a un morceau qui s'appelle La patience est une arme. Donc voilà, je suis patient et il n'y a pas de problème. Et sinon ma fierté dans cet album c'est que Akhenaton il devait réaliser l'album au départ. Et au bout de 2-3 journées de studio, il a vu que je savais ce que je voulais. Donc il m'a laissé le réaliser entièrement, que ce soit sur les textes, que ce soit sur les thèmes, que ce soit sur les choix des prods. Et encore une fois, j'ai pris des risques en parlant de choses sensées.
Parce que les rappeurs, ils ont une certaine facilité à parler de guns, de sexe et de shit dans les morceaux en ce moment, dans leurs chansons, parce que c'est un phénomène qui fait vendre. À l'époque, c'était une prise de risque, maintenant, c'est plus une prise de risque. Moi, j'ai pris du risque. J'ai pris du risque en parlant de choses qui m'ont touché, de ma vie, de l'amalgame, notamment entre l'islam et le terrorisme, qu'on fait facilement à la télé, ma position par rapport au voile, plein de choses. Et en tout cas, j'hésite pas à dire ce qui me passe dans le cœur. En tout cas, j'essaye de rester sincère avec moi-même, vrai avec moi-même. Et tout ce qui me passe par le cœur, tout ce qui me passe par la tête, je l'ai dit franchement dans mes textes. Et apparemment, ça a touché beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dedans. Donc ça, c'est ma fierté. Que penses-tu de l'industrie musicale actuellement ? Ben, l'industrie musicale, ça dépend ce que tu entends par industrie. Tu parles au niveau des... Ouais, au niveau en général, parce que moi, je te parle, je suis DJ. Ouais. Et puis, je vois un peu que ça part un peu en couille, que les artistes font plus signer, qu'il y a moins en moins de choses qui sortent et tout. Ben, disons qu'à un moment donné, le rap vendait beaucoup. Et les majors se sont précipités sur plein d'artistes, sur tout et n'importe quoi, donc on négligeait la qualité. Mais le public, il est dupe une fois, il n'est pas dupe deux fois. Donc à un moment donné, c'est normal qu'il commence à faire ses tris, que les ventes d'albums aussi baissent par rapport à la qualité. Et après, on instrumentalise aussi notre musique, alors que c'est une musique qui vient de la rue, c'est une musique de la street, c'est les jeunes de la rue qui la font vivre. Et forcément, c'est des fois... Il y a des aspects qui sont contradictoires avec l'aspect commercial qu'attendent les maisons de disques. Après, bon, l'industrie du disque aussi a évolué de par le téléchargement, tout ça, bon, tu connais le truc. Et notamment, c'est devenu de plus en plus dur pour les DJ, parce que j'ai l'impression qu'aussi que vous ne recevez plus des vinyles de qualité comme à l'époque. Le pressage US est devenu cher aussi, donc voilà. Mais bon, il y a des nouveaux porteurs d'étendards, que ce soit à Marseille, que ce soit dans toute la France. Moi, j'essaie d'en faire partie, je ramène mon truc, je prends des risques encore musicalement et au niveau des textes. Et je pense que s'il y a beaucoup de rappeurs qui suivent cette lignée, je pense que ça pourra faire évoluer le hip-hop. Et contrairement à ce que les gens disent, le rap, il est loin d'être mort. Voilà. Ok. Donc, juste dernière question. Est-ce que tu as un mot pour l'avenir, pour les jeunes, leur donner ceux qui veulent faire du rap? Quels sont les conseils? Ceux qui veulent faire du rap, déjà qu'ils fassent ça avec amour et passion, sans se projeter dans une carrière ou je sais pas. En tout cas, il faut qu'ils fassent ça à la base parce qu'ils aiment ça. Et si ils aiment ça et qu'ils veulent en faire leur profession, il faut qu'ils sachent qu'il faut travailler tous les jours et qu'il ne faut pas lâcher. Il faut essayer de bien s'entourer aussi, avoir un bon entourage qui puisse te conseiller et tout ça. Et surtout faire ça par passion, ne pas hésiter à poser sur toutes les mixtapes possible et inimaginable, ne pas hésiter à faire la scène parce que la nouvelle génération néglige beaucoup la scène et la scène c'est un endroit où tu peux défendre ton album. Les gens quand ils te connaissent pas, c'est là qu'ils peuvent te découvrir. Moi à l'époque j'avais pas sorti d'album, j'avais rien sorti et c'était la scène qui m'avait permis de me faire connaître dans toute la France, en Suisse, en Belgique, au Canada aussi. Donc la scène, ne pas négliger, c'est un facteur très important pour monter son buzz. Voilà. Ok, alors merci beaucoup. Ça c'est Samir.